Mardi 12 septembre 2017, bonsoir tout le monde, bienvenue dans le journal sous télévision nationale d'Haïti. Mes grands titres qui pourraient développer dans le journal pour Assoya. Plusieurs machines boulées, vite magasin et en pile institution crasée. C'est bilan manifestation qui déroulait jeudi à Port-au-Prince sous initiative quelques formations politiques dans l'opposition. Une séance en Assemblée nationale déroulée hier lundi 11 septembre 2017 l'an pour clôturer deuxième session ordinaire année législative. Là. Président de l'Assemblée nationale l'a salué, travail sénateur et député. Travail pour élargir et mettre asphalte dans mon pilboro en presque fini. Compagnie qui a réalisé travail yo a metté dernier touche yo. Et puis une semaine après ravage cyclone Irma fait sous île Saint-Martin et Saint-Barthélemy, président français Emmanuel Macron tombe en visite mardi 12 septembre 2017 dans Guadeloupe. C'est titre ça, à compil l'autre information, nous prenons le poté pour vous inviter les spectateurs dans le journal Assoya. Nous invitons à rester branchés. Nous retournons tout de suite. Mazou, c'est même trop peiné, papa. Avec moto, ça va quand même pas dans l'arrière. Je vais vous bien passer ce même ça. C'est moto sur moto. C'est le sac même problème, c'est moto dialing. Ça passe. Il va jamais passer. Ça te fait venir à bouler. Mais pendant la boule, la pas venir dans le basement là parce que ni mécanicien, ni autopane, pas de chambre d'avant dans la moto. Mais ça m'a plu là. Pas grand rien pour faire là. C'est retirer le carburateur, vieux moto ça, et puis mettre au carburateur, tchaï. Je ne sais pas si vous avez un moto. You are the one for me, for me, for me, formidable. You are my love, very, 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 véritable. Et je voudrais pouvoir un jour... Toute la gamme des véhicules utilitaires Chevrolet. N300 Passenger Van, Pick-up et Cargo. For me, for you, pour tous vos petits et grands besoins. Chevrolet. Solide coup, wash. Désirable. La Alternative Insurance Company a toujours à chercher moyen pour nous bâtir sécurité ou besoin pour faire l'argent grandir. Kounia nous offre assurance vie universelle qui c'est une assurance qui permet de serrer l'argent tout. Assurance vie protégée ou avec famille ou dans affaires, dépenses pour l'enterrement, frais l'école, hypothèque pour caillou et l'autre dette. Yon parti dans corps pour payer pour assurance vie a retenu un compte spécial côté la fait intérêt et puis l'argent a grandi chaque jour. Ou ka utiliser l'argent qui ça ou si l'urgence l'hôpital, ou frais éducation, aménagement caillou ou bien voyage. AIC créé assurance vie universelle pour tête nous ka poser et nous assurer la vie nous, famille nous et bien nous. Même si ta vie n'est gros dépense qui vous fait de temps en temps. Grâce à l'assurance vie universelle, la AIC toujours continue à prendre des ventes dans le domaine assurance en Haïti parce qu'elle a travaillé pour le protéger et puis pour le kembe confiance. Oui.
Force Malais. Un produit Séjourné. Et enfin, encore, nous saluer et remercier tout le monde qui branchait Téléjournal sur Télévision Nationale d'Haïti. Dans la présentation, c'est Linela. Nous avons démarré le journal pour nous faire connaître ce qui est annoncé dans le Grand Titio. Eh bien, travail pour élargir et puis mettre asphalte dans mon pilbo presque fini. Compagnie qui a réalisé le travail, ça y est, a mis les derniers touches pour permettre l'activité de reprendre normalement, Jean Satéye avant. Nous avons invité nous suivre un reportage avec Anne-Marguerite Auguste et puis Vladimir. Élargir et asphalter la route mon pilbo pour permettre la circulation en fait dans plus sécurité sous tronçon ça qui était représenté un véritable danger à cause route là était penchée en pile bo falaise. C'est pour ça décision qui prend pour faire travail ça mandé pour élargissement fait dans bon monio. Habitants zone là applaudit travail qu'a fait yo ça pour aller de réduire accident circulation qui était qu'on fait tout le temps sur route là. Yo croit avec réhabilitation qui fait là en pile monde a senti au plus confortable pour voyager sur route là. Le bulldozer il fait tout le travail. Comprendre, il pousse les remblais, il roule peut terre et puis il casse les mots. Et la petite nous quand même parce que nous avons une petite cap venir, te mettre nous pas à jouer, petite nous a servi là-dedans. Et pendant ce temps, il a fait route là qui c'est synonyme de développement. Nous pensons nous pourrons gagner, nous pourrons enregistrer moins de cas d'accident dans mon nom concernant et surtout ça que les collisions hein, parce qu'il y a bien espace pour chaque machine circuler très bien. Donc nous essayons une très belle initiative qui prend juste pour capable gagner route ça dans mon nom. Bon, si c'est pour route là, nous très content parce que mon nom était dangereux en pile par rapport à coupe yo éliminé et puis tout droiture route là nous vient jeune, nous très content. Non, qu'on y a route là, il presque 12 pour nous là comme de l'eau à boire, facile. Content même parce que l'aime saute là moi au moins, il y a plus de difficulté, l'aime dériver à Iné, nous venons pour 3h-4h à cause des routes là pas bon. Fait pas plus stade dans la route. Mais pour le moment qu'on y a même si quelqu'un il pas gain pour qu'on galfat, mais qu'on y a quelque 2h 3h. Si je suis dans la route, dans 2 heures, 3 heures ou 4 heures, il faut que j'achète à l'eau. Parce que c'est une route. Tout est bien route, il y a la vie. Si pas une route, pas la vie. Non, c'est pas une zone, comme moi, je vais marcher, c'est vrai, mais c'est ça, c'est pas une partie, il faut finir. C'est pour nous toujours mettre un petit marche, une machine de l'eau là. Chaque après-midi, on a un petit arrosage. Même là, on a fini de faire la route là, chaque côté, on a fini de faire partie. Il faut avoir quelques polices couchées parce que les machines, les conduits, les machines, les machines, les motos, tout. Nous avons quelques polices couchées en façon pour éviter l'accident. Le travail de réhabilitation, pas seulement en Bélioud là, mais il permet à un pile de monde bénéficier de jobs qui aident à répondre à une série de besoins économiques. Habitants zone nan, dit yo croit dans la capacité du président Jovenel Moïse pour faire plus de travail toujours dans la zone nan. Et puis dans la page politique, là, nous avons parlé de ça dans Grand Sitio tout, sous initiative quelques formations politiques qui sont en opposition. Il y a une manifestation réalisée dans plusieurs zones dans la région métropolitaine Port-au-Prince. Là. Manifestants ont dénoncé votre budget 2017-2018. Là. Dans l'occasion, ça, manifestants ont tiré wash et puis cassé vite plusieurs magasins. Ils ont brûlé et puis cassé vite plusieurs machines tout. Une situation qui la cause activité a été paralysée dans plusieurs zones dans mi-temps journée si là on suit. Fini!
Voilà une situation qui était très compliquée pendant la journée. N'a pas parlé d'infrastructure encore pour nous faire connaître un plaisir chauffeur taxi, moto qui fait circuit, route Joff, pas de paix, qui bat bravo pour travail construction route Kafou Joff en sa fleur. Là. Citoyens Silayo applaudit président républicain Jovenel Moïse qui démarrait projet construction route ça, côté Ote qu'on rencontrait en pile difficulté à chaque fois et à fréquenter zone Silla. N'a pas invité nous suivre un reportage avec Paki Sainte-Croix et puis André Chéri. Construction tronçon route Kafou Joff en sa folie a démarré. Une route qui était trouvée dans une situation critique depuis plusieurs années. Chauffeur taxi moto à quelques citoyens qui toujours fréquentaient route ça. Remercie le président républicain Jovenel Moïse pour l'initiative si là. Faire connaître, il pas regarder en souffle dans une situation difficile. Il était qu'on habitué voyager. C'est la première fois nous pral gen route port de paix parce que tout ce qui passe, c'est la campagne qui fait dans la route. Là. Et nous avons un grand président qui a retiré nous dans le problème ça, qui est le Jovenel Moïse. Si la route est faite, c'est bien bon, vraiment. Parce que la route n'est pas bon. Même. La route n'est pas bon. Je veux dire, la route est tout il fait. Tout. La route n'est pas bon, même. Difficile nous qu'on rencontre là, laissez nous revenir tant que la route n'est pas bon. Des fois, là, je n'ai pas de trace pour passer, c'est la machine qui a passé. Des fois, le chauffeur est tombé, il y a un accident, il est mort. Pour moi, même là, je viens de marcher. Matérialité fait un bon choix lui-même. Président Matérialité fait un bon choix. Pour moi, même, je fais un bon travail dans le pays. Même que l'autre part ne va pas passer, mais je décide pour le travail. Route Kafou Joff là, qui était présenté un véritable calvaire pour habitants dans le département nord-ouest là, après construction route ça, pour attirer plus d'investissements étrangers, selon citoyens. Voilà, chauffeur taxi qui content pour construction route Kafou Joff en sa folleur là. N'a pas continué pour nous faire connaître un travail réparation cap gain pour faire dans usine électrique Beladeyan d'après président République là, Jovenel Moïse. Travail ça a fait dans l'idée pour capable avancer dans réalisation projet courant 24 sur 24 d'après chef l'État. On suit. Centrale hydroélectrique ça a une capacité pour produire environ 750 kW courant qui desservit Las Caobas, Belader et commune Baptiste. Actuellement, deux turbines qui tapent fait le marché en panne depuis presque deux années. Moi j'ai un régulateur de vitesse qui a un problème parce que j'ai un vérin hydraulique qui a une fuite dans le niveau vérin hydraulique, ça facile ça permet que je pas capot de charge. Donc l'homme vient mais c'est généré même pas qu'à monter sur réseau. Et puis ensuite, moi j'ai un problème au niveau disjoncteur de couplage groupe là, qui couple groupe là avec réseau. Donc ça disjoncteur en panne, il y a un problème. Nous avons un problème au niveau multiplicateur de vitesse. Là. Donc c'est compilation de panne ça yo, qui cause qui fait que centrale là à l'arrêt jusqu'à présent. Président République là, Jovenel Moïse garde état appareil et puis informé sur tout travail qui méritait fait. Chef l'État prend disposition pour remettre centrale ça sous pied avant longtemps. Nous allons réparer pour nous mettre là avec pelle cap réparer et puis pour nous mettre une centrale solaire qui est capable d'accompagner centrale hydroélectrique pelle là, centrale hydroélectrique convert là. Pour non seulement pour Port-au-Prince venir une amélioration considérable, mais pour la ville de Belader et la commune de Baptiste, zone pour faire toute zone ça qui courant 24 sur 24, dans le même programme 24 sur 24, m'a parlé dans 23 mois. C'est ça que je m'aime là, et c'est pour ça que je travaille. Je m'a dit tout le monde, restez posé, parce que l'homme dit un bagage, moi fais. Tout samedi, pendant 6 premiers mois, je fais tout. Je dis que dans 23 mois, il y a bien courant 24 sur 24 dans le pays. Le président Jovenel Moïse engagé dans un projet de développement socio-économique Haïti à travers le secteur énergétique. Là. Pour sa fête, il a commencé à identifier tout site qu'il a utilisé pour réussir le projet courant 24 sur 24. Là. Nous allons poursuivre avec information yo pour nous faire connaître 26 candidats qui inscrits dans le cadre processus pour choisir trois personnalités pour aller représenter CSPJ dans le Conseil électoral permanent. C'est sa responsable communication Conseil supérieur pouvoir judiciaire, Samaël Boussiko, fait connaître dans une interview li accordé Radio-Télévision nationale d'Haïti. Responsable communication CSPJ1 dit dans environ deux semaines,
population est capable de connaître nos trois personnalités qui choisissent. En suivant bout. Nous-mêmes, dans le CSPJ, nous lançons un appel à candidature qui a fini vendredi dernier. Et jusqu'à vendredi, nous avons enregistré 26 candidats, le monde qui est candidat pour venir occuper. Et alors, pour nous parmi les gens qui ont désigné, pour nous-mêmes, pour nous désigner trois ans. Et si on demande de un pile l'autre monde qui a vivre, pas dans le département de l'Ouest, mais dans l'autre département, qui, à cause de cyclone Irma, qui dit qu'il n'y a pas de temps de rentrer et qu'il n'y a pas de grande menace, qu'il n'y a pas de connaître si le cyclone n'a pas passé comme ça. Donc, il n'y a pas de temps de rentrer, il a demandé pour faire une prolongation. L'inscription a commencé lundi dernier. L'été doit terminer vendredi. Et CSPJ qui te voulait bailler tout le monde chance. Il n'y a pas de blessé. Le monde qui te relève seulement, qui te joue une rallonge là, il te fait une note publique qui publié hier, qui invite tout le monde qui est intéressé à venir déposer candidature pour être capable de compléter la liste candidat. À partir de jeudi jusqu'à demain, il y a un registre d'inscription encore ouvert. Le monde qui est intéressé est capable de déposer pièce. Et puis, nous allons poursuivre avec information pour nous faire connaître Jean Tédil dans un grand site. Une séance en Assemblée nationale déroulée hier lundi 11 septembre 2017 là, pour clôturer la deuxième session ordinaire année législative. Là. Dans l'occasion, le président de l'Assemblée nationale là, salue le travail sénateur et député. Yo, fait sortir deuxième lundi juin pour arriver deuxième lundi septembre. Là. Sénateur Youri Latortue a encouragé l'exécutif pour convoquer député yo à l'extraordinaire et en façon pour finir avec agenda législatif. L'itinéraire micro-télévision nationale d'Haïti en suivant bout. Le calendrier républicain nous ramène aux horaires de nos réalités existentielles. Nous voici aujourd'hui réunis ce 11 septembre afin de fermer la deuxième session de l'année législative 2017. Nous devons par ailleurs nous rappeler que le 11 septembre est une date tristement mémorable pour la démocratie haïtienne, l'événement de Saint-Jean Bosco qui a endeuillé la jeune démocratie haïtienne. Pour nos voisins chiliens, le coup d'État contre le président Allende et les Américains, les attentats terroristes à New York et à Washington. Sans nous glorifier, nous pouvons affirmer haut et fort que les deux sessions de cette année législative se gonflent d'un bilan copieux, d'un bilan exceptionnel. Oui, elles sont remarquables eu égard à l'ampleur du travail législatif réalisé. Franchement, il faut reconnaître que vous avez fait œuvre qui vaille. Dès l'élection et la prise de fonction des deux bureaux, ils se sont donnés pour mission de programmer une fructueuse année législative. Nous nous sommes effectivement mis au travail et heureusement, les députés et les sénateurs nous ont accompagnés sans leur sens patriotique aiguisé et leur exceptionnel dynamisme, les bureaux n'auraient rien pu faire de sérieux et de grand. Au bout du compte, le résultat est évident. Sous le leadership de ce bureau de l'Assemblée nationale, le Parlement est sans conteste l'espace par excellence d'expression de la vitalité démocratique haïtienne. Mission accomplie. Toujours dans le sujet, ça, il y a un président de la Chambre des députés en Charles Chancy qui fait bilan travail Chambre des députés en réalisé pendant deuxième session ordinaire année 2017. Là. Sorti deuxième lundi mois de juin pour arriver deuxième lundi septembre, Chambre des députés a organisé une vingtaine séances plénières et puis voter 15 projets à proposition loi d'après président Chambre députée à Charles Chancy. Nous extrait dans micro John Herbie Casseus à Quadson Labrousse. Au cours de ces séances, nous votons plus qu'une quinzaine de projets et de propositions de loi. Et le gouvernement a demandé urgence sur une dizaine de lois. De lois qui ont rapport à FNAC, à Semana, de lois qui ont rapport à amélioration du climat des affaires que le gouvernement a voté par le Parlement. Chambre des députés a voté presque plus de 7 là-dedans et c'est 2 qui étaient pour nous voter.
Et ensemble de séances en commission, ensemble de travaux que nous faisons en conférence des présidents, c'est moi-même comme président bureau et bureau en général, nous n'avons pas besoin de gonfler tête, mais cependant, pour deuxième session, nous aurons satisfaction. Parce que il y a pile séance qui fait dans le dernier mois, et chaque jour que nous faisons séance et député au présent, et séance, c'est ordinaire, 75, 80, 90 députés. Nous votons tout loi sur kidnapping, qui est important, nous connaissons son fléau lié, que je dis à la société a besoin que la justice gagne plus d'âme dans elle pour combattre fléau ça. Nous votons proposition de loi sur SNGRS, pour parler de problème résidus solides fatra dans le pays, qui parlait de tri, comment pour traiter en général fatra en APA, pas dans Port-au-Prince, dans tout le pays. En termes de projet, nous votons loi sur OFNAC. Pablo que loi sur OFNAC là, dans la zone continue en Caraïbes là, nous étions dans un pays qui parle une loi sur aviation civile. Et Pablo que nous ces derniers en termes de leur bail aviation qui respecte nos mieux, nous étions derniers, nous étions peut-être 5 points. Et loi seulement à permettre que le pays a 20 points en plus qui organise ça. Nous votons loi sur Semana, projet de loi sur Semana. Nous votons code maritime. Non. Nous votons loi sur régime matrimonial. Également plusieurs commissions spéciales que nous avons formées. En commission qui travaille sur bilan, sur activité ministre ça fait pendant 13 ans, si mémoire me fidèle, que le gain dans le pays. Nous avons en commission spéciale qui travaille sur constitution que la commission est en remettre. On premier rapport à l'Assemblée et l'Assemblée à la commission a déjà laissé passer pour la partager, réfléchir avec respect avec organisation dans la société, avec le gouvernement, avec l'autre pouvoir. Et nous pensons que nous pouvons aller en vacances et tout le monde connaît au besoin. Si l'exécutif a besoin, chambre députée, député est toujours disponible pour répondre à une éventuelle convocation à l'extraordinaire. Voilà, c'était précision, président, chambre députée, en chanceur, chancy. Moment arrivé pour nous prendre l'autre pause. Nous allons retourner tout de suite, pas déplacé. Nous tendons ça au mandé. Et nous allons tirer toutes les limites. Parce que leur perdit ça au fin de payer, ça n'est pas bon même. Koulia, ça fait perdre des data avec des data. C'est celle d'Issel qui va relever illimité sur data avec limite. On écrit nous plan gros loi avant d'y expirer et puis qu'il met tout ça au fin pays. Pas jamais se perdre encore. Allez sur l'application MyDigicel la coulia et puis acheter plein gros lot par là. Digicel. Oh. Ou a changé l'huile dans le moteur. Jodi a, c'est jour chance. Canon c'est où? C'est travail. Faut qu'on bal bon traitement. Et avec Mobil Delvac, moteur dirait plus longtemps. Sorti 1er janvier 30 septembre, chaque fois vous achetez un bokit ou bien un galon Mobil Delvac ou bien coulant mobile, ou a joué une étiquette jaune avec un code en bal. 1. Gratter étiquette jaune. 2. Vous code ou jouer dans 90 sous téléphone Digicel ou bien à com. 3. Ou a recevoir la boule, un message capture qui cadeau gagné. Tant qu'on minute gratis sous téléphone Digicel ou soit à com. Télévision, cellulaire, tablette avec motocyclette. Achetez l'huile mobile Delvac pour votre camion était jam et puis pour jouer le cadeau. Pour réclamer Primo, passez dans le bureau mobile qui est sur route aéroport ou bien relez dans 2814 8100. Dans le cap haïtien, passez dans le bureau mobile qui est dans le bonnet du gala ou bien relez dans 2814 8090. Oubliez rêve ou vignes réalité dans affaires la santé? Eh bien, Clinique Fertile Aurel, qui est une clinique naturopathique, ouvre les portes billets grand, sorti lundi pour arriver vendredi de 8h AM jusqu'à 4h PM et le dimanche de 9h jusqu'à midi. Pour le faire jouer une bonne solution à quelques maladies en cours, kyste, fibro, cancer, ulcère d'estomac, infection vaginale, hémorroïdes, sinusite à quelques autres encore. Passez Kounia la Delma 13 Rouyel Mairie numéro 12. Ou bien relé dans 37 48 02 et 42 56 51 86. Et puis, visitez nous sur site là tout. À Clinique Fertile Aurel, toute maladie ça y a kaba naturellement. Jojo,
Chugo, c'est un produit séjourné. Merci parce que nous toujours été branchés à l'information et sous télévision nationale d'Haïti. Deuxième tranche, journal ça a démarré dans page éducation pour nous faire connaître journée lundi 11 septembre 2017. Élèves yo répondent en grand nombre dans l'école privée coup public pour année académique 2017-2018. Gouvernement a annoncé toutes dispositions prend pour année scolaire l'an capable bien passer. Un reportage Marie-Jolouis à Quidmayer Louis Saint est préparé pour nous. Si lundi 4 septembre, élèves ont répondu timidement dans la salle de classe, jeudi lundi 11 septembre 2017, là, c'est différent. Côté diverses, l'école t'a ouvert les portes pour te recevoir. Dans la virée de TNH, on t'a fait. Élèves nous ont rencontré pour te cacher satisfaction pour l'école qui l'ouvrit. Côté au fait qu'on est, journée bien passée, yo souhaité année académique 2017-2018 l'an fini comme ça. Moi senti moins bien puisque avant moi étais un peu stressé et après bon, moins relaxé. L'école comme si c'est un amusement pour me retrouver les amis avec tout camarade moi yo pour m'avayo parler avec yo discuter mandé comment vacances était même si nous pas vraiment gain professeur mais quand même si mon yo a vini petit à petit au fur et à mesure je me sens heureuse avec mes amis c'est ma religion et j'aime porter ma voile tout fait accueil très bien très chaleureux et directrice c'était très bien accueilli nous moi bien aimé directrice parce que il y a un sens de l'humour la qu'il y remet tout le monde. Théodore Etienne, c'est un professeur français qui travaille dans le lycée de jeunes filles. Il dit pas de problème pour l'accompagner Timounio. Pendant le souhaiter, l'État respecte l'engagement envers le professeur. Je suis venu dans la salle là parce que moi je voulais gagner un contrôle de la salle. Moi. Donc moi je voulais commencer à mettre Timounio dans l'ambiance de l'école. Là. Donc étant donné ce travail, moi, c'est enseigner, c'est former Timounio et c'est un sacerdoce lié et tout, moi je suis venu. Pour l'année académique 2017-2018, le gouvernement investit 600 millions de gourdes pour bailler bourade à maman et papa petite, d'après le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Pierre-Josué Aginokade. Merci Marie-Jo et Widmayer. On va poursuivre ensemble avec l'organisation politique Initiative Citoyen pour Unité Démocratique qui lance appel bon côté acteurs concernés pour consulter l'organisation dans le pays dans le cadre de choix moun pour formation conseil électoral permanent. Un responsable mouvement politique, ça, René Civil, fait connaître ses personnalités crédibles. Honnête qui pas gagné noyocité non corruption qui doit faire partie conseil électoral permanent. L'abdi nous plus. Et nous-mêmes en d'académie n'a demandé président Jovenel pour faire un choix sans partisanerie. Je dis bien pour faire un choix sans partisanerie pour choisir un monde n'a conseiller pour choisir un monde qui a capacité. Il y a des gens qui sont honnêtes, il y a des gens qui sont crédibles. Parce que l'OPC est une grande institution qui peut défendre le droit des gens, surtout le droit des employés publics. Pour le bien du pays, nous demandons au président Jovenel pour faire un choix, pour faire un choix avec toute conscience, pour faire un choix sans partisanerie, pour que nous soyons capables de gagner des gens crédibles, honnêtes dans notre OPC. Voilà, nous sommes suivis Pito, eh bien, yon bout dans déclaration collectif organisation Cap défendre droit migrants ak rapatrié nan tête collée avec AJFCDHA qui exprimait préoccupation yo sous personnalité chambre député en choisi pour occuper poste office protection citoyen après choix Sénat République là. Et puis, je nous t'ai annoncé l'organisation politique Initiative Citoyen pour Unité Démocratique lancé appel bon côté acteurs concernés pour consulter l'organisation Yonda PIA dans le cadre de choix moun pour formation conseil électoral permanent. On suit précision René Civil. Permanent, la fête, c'est vrai, suivant la Constitution, mais nous dit.
moun ki nan institisyon sa yo vle fè yo, yo pa genyen légitimité populaire. Nou vin di un, sou moun pral nan conseil électoral sa, sou te nan administration publique la nan n'importe quel job fò démissionner. Fò démissionner et si ou se koto tap gérer l'argent, fò yo ba ou des charges. Et nou vin di moun ki te participé déjà dans le conseil électoral qui a créé la crise, il n'y a pas de droit pour participer dans le conseil électoral permanent. Nous disons, le pouvoir législatif là pas capable de choisir les gens pour contre, c'est pour le chita avec le secteur, pour le secteur proposer les gens dans un tirage au sort public pour choisir les gens. Et bien, dans ce qui est en ouais, avec passage ouragan Irma, et bien, département nord-est, c'est un département qui est touché pendant passage cyclone Irma sous pays. Secteur agricole subit en pile dommage, il y a plusieurs jardins qui détruit. Sénateur nord-est, Jacques Sauveur-Jean, mandé pour gouvernement pour encadrement par les cultivateurs, une façon pour secteur agricole capable de recamper dans nord-est. En suivant bout, en déclaration. En pile dégâts, moi c'est une principale victime. Vous imaginez que j'ai du rime qui paraît pour couper dans 15 jours et puis un cyclone passé, ou bien 30 hectares de terre qui inondé et tout l'autre voisin mieux. Donc nan, au niveau agriculture, c'est des dégâts graves pour un agriculteur puisque l'agriculture ou pas fait seulement pour l'argent, ou fait le par amour. Donc l'eau frappé dans science ça, dans domaine ça, ou frappé juste dans zo, juste dans cœur. Donc je pense que je partage peine ça à tout agriculteur. Yo. Et m'espérer que l'État a pensé tout à regarder qui gens que le capable est venir au secours de nous-mêmes, de planteurs qui sont victimes de cyclone ça tout. Nous sommes fanatiques et production nationale. Nous pensons que bah on mon pain c'est un bagage comme d'adou pour un moment, mais montrer qui gens pour le faire pain pour le cas chaque jour capable produire tête pli ça que le besoin c'est ça qui est plus important. Il faut que une politique agricole qui déploie, qui change pour permettre que, en cas de catastrophe, il faut qu'on applique, mais en règle générale, il faut que la production nationale, la production agricole, là, yo prête plus attention à lui parce que pas une personne qui est vraiment trop content dans mon abaye. Baye, ce n'est pas ça. Baye, population, encadrement pour toute père de famille qui travaille pour qu'elle prenne responsabilité. Yo. C'est ça que je demande que le gouvernement et tout le monde qui est responsable en charge pour que une politique agricole qui permette que nous retournions vers la production nationale. Et puis, après, pour suivre, qu'on y a une page internationale dans les amis téléspectateurs pour nous faire connaître suite à passage ouragan Irma dans le pays Cuba, vendredi 8 pour l'ouvrir samedi 9 septembre. Autorité cubaine a confirmé la mort 10 moun lundi 11 septembre 2017. L'an. Ouragan Irma la cause gros inondation tout, spécialement dans la capitale, l'an, La Havane. On suit. Passage Irma dans le pays Cuba la cause 10 moun perdit la vie yo, selon autorité cubaine. Yo. Irma frappé dans le nord, dans l'est et dans l'ouest Zilea, vendredi 8 et samedi 9 septembre, ce qui entraîne gros inondation. Parmi les gens, 7 dans la capitale la et puis l'autre victime yo dans différentes provinces. Après Kayo qui endommagé, système distribution électrique là et exploitation agricole yo subi gros choc. Dans la Havane, habitants ont mobilisé pour commencer travail yo pour rebâtir la capitale la visage li. Et puis, une semaine après ravage, cyclone Irma fait sous île Saint-Martin et Saint-Barthélemy, président français Emmanuel Macron, tant une visite mardi 12 septembre 2017 l'an, dans Guadeloupe. Après visite li dans Guadeloupe, l'an, l'abgain pour le rendre sous territoire deux îles françaises qui détruit après tempête Irma. Objectif visite président français, c'est pour joindre une solution pour alimenter de l'eau, déblayer zone qui t'est touchée yo, et gérer situation crise population a subi pour coulier ya. On suit. Il y a maintenant quelques jours à Saint-Martin et Saint-Barthélemy. C'est une catastrophe naturelle dont nous ne retrouvons les précédents qu'en 1931 dans la région. C'est-à-dire quelque chose d'inédit. Ce que nous avons mis en place depuis le début de la crise, depuis l'ouragan, c'est l'un des plus grands ponts aériens depuis la Deuxième Guerre mondiale.
On va nous mettre un bout dans le journal pour assouer. On a fait connaître dans une note qui mettait dehors. Bureau secrétaire d'État sécurité publique, l'en fait population en connaît. Police couchée, gain pour conséquence ralenti circulation machine dans route nou yo. Et puis, quelques moun pas doué abuser yo à mettre police couchée, Jean yo vle. Dans ce sens, tout le monde qui souhaitait installer police couchée doit joindre en vain autorisation mairie dans la localité yo ak police nationale d'Haïti pour éviter faire gros tort à population. Tout le monde qui pas respecté décision ça a tombé en bas sanction pour destruction bien public. Et c'est là nous mettons un bout dans le journal pour un soir, amis téléspectateurs, me rappelle quelques points qui étaient développés là-dedans. Plusieurs machines boulées, vite magasin et en pile institution crasée. C'est bilan manifestation qui déroulait jeudi à Port-au-Prince sous initiative quelques formations politiques dans l'opposition. Une séance en Assemblée nationale déroulée à lundi 11 septembre 2017 là, pour clôturer deuxième session ordinaire année législative. Là. Président de l'Assemblée nationale l'a salué travail sénateur et député. Travail pour élargir et mettre asphalte dans mon pile-boroan presque fini. Compagnie qui a réalisé travail yo a mettre dernier touche yo. Et puis une semaine après passage ravage plutôt cyclone Irma fait sous île Saint-Martin à Saint-Barthélemy, président français Emmanuel Macron tombe en visite mardi 12 septembre dans Guadeloupe. Merci tout le monde qui t'a suivi. Deuxième sortie journal pour semaine ça. N'a remercier toute équipe qui t'est mobilisée pour te rendre possible. N'a souhaité nous toutes une très bonne soirée sous télévision nationale d'Haïti. N'a invité nous rester branchés. Au revoir.